Des plantes qui guérissent des maladies dites incurables pour la médecine moderne, c'est ainsi qu'on vante les mérites de la médecine traditionnelle. Mais qu'en est-il réellement? Vous en saurez davantage dans cet entretien. Merci et bienvenue sur cette info. Quelle est la place de la médecine traditionnelle dans une société de plus en plus tournée vers le modernisme avec de nouveaux systèmes au niveau de la santé? Pour répondre à cette question, nous sommes avec le docteur Adou Tano Albert. Il est naturothérapeute ou tradit praticien? Je suis tradit praticien de santé et chercheur. Quelle est la différence entre le tradit praticien et le naturothérapeute? Le tradit praticien de santé, c'est celui-là même qui a appris de ses parents de façon divinatoire. Mais le naturothérapeute, lui, il va dans une école pour avoir un diplôme tel que à Cafélix. Ils sont diplômés de la médecine naturelle, ce qu'on appelle les naturothérapeutes. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas allé à l'école? Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas de diplôme. Et vous avez hérité ce don de qui? C'est de Dieu lui-même. Ce n'est pas d'un parent, ni d'un frère, ni de qui que ce soit. C'est Dieu qui m'inspire pour fabriquer ces médicaments qui guérissent de façon miraculeuse certaines maladies que la médecine classique n'arrive pas. Justement, c'est ce que nous avons dit, on va marcher un peu, puisque nous sommes dans un beau jardin. C'est ce que nous avons dit à l'entame de cette émission. Il y a des maladies dites incurables qui sont guéries par la médecine traditionnelle. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette médecine est un peu prétentieuse? Ce n'est pas parce qu'elle est prétentieuse. Vous savez, ce que Dieu a réservé pour la médecine traditionnelle, on ne peut pas le comparer à ce qu'on apprend sur les bancs, dans les écoles, parce que ça vient directement de Dieu lui-même. Et les plantes, c'est Dieu qui les a créées. Quand il inspire quelqu'un pour fabriquer ses médicaments, pour soigner, c'est pour guérir une bonne fois et pour toutes. C'est pour cela que nous arrivons à satisfaire les malades qui souffrent de certaines maladies chroniques. Vous parlez des malades, justement. Quel retour font-ils après vous avoir consulté? Vraiment, ils sont très heureux de nous avoir consultés, parce que non seulement après la consultation, on leur détecte la source de leur maladie et ils sont déjà rassurés que nous maîtrisons notre domaine. Et après le diagnostic, on leur conseille les produits appropriés qui vont guérir la source du mal et rétablir le système immunitaire pour qu'ils se retrouvent rajeunis et guéris une bonne fois. Parlons un peu des maladies que vous guérissez. Est-ce qu'on peut les connaître? On peut les connaître. Actuellement, nous émergeons beaucoup plus sur les cas de prostate. Les cas de prostate devenus cancer. Vous guérissez la prostate? Nous, je guéris ceux qui souffrent de prostate, qui ont porté sonde pendant 20 ans, où la prostatite est devenue cancéreuse. C'est-à-dire une plaie qui permet d'avoir des malaises au dos, au bas-ventre, aux épaules. Ces malades ne peuvent même pas marcher comme il se doit. Mm-hmm. On les tient par la main pour les faire venir dans mon cabinet. Et un mois après, ils reviennent tout seuls pour me confirmer qu'ils sont guéris. Mm-hmm. Et on a des appareils qui déterminent l'évolution de leur maladie. Oui. Ces appareils confirment qu'ils étaient à tel stade. Et après le traitement, ils sont arrivés à ce stade, qu'ils sont guéris et ils pissent correctement. Vous êtes tradit praticien et vous avez des appareils. C'est ça. C'est ça, des outils modernes. Des outils modernes. Et comment ça se fait? Mes produits ont été sélectionnés parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. Plus de 350 médicaments. Pour moi, sorti meilleur parmi les meilleurs. Mm-hmm. Pour être admis à l'université pour faire des travaux de recherche. L'université Félix Houphouët-Boigny. À travers professeur. Au moins 3 à 4 professeurs qui ont envoyé près de 9 étudiants. Oui. Et parmi ces étudiants, il y a un qui a accepté de travailler avec moi. Et c'est lui que j'ai payé cet appareil pour m'aider à faire les bilans pour qu'on puisse avoir des sources aussi, les malades, et après le traitement, qu'on confirme que la personne est guérie. Oui. Là, vous parlez de la prostate, une autre maladie. Et après la prostatite, nous avons aussi ceux qui souffrent de diabète et de l'hypertension et de cancer d'estomac, c'est-à-dire les plaies cancéreuses, ou bien les ulcères. Et tout cela, très souvent les diabétiques ont des plaies, soit sur le pied, soit quelque part.
Et quand je les traite, les plaies là disparaissent. Et la glycémie, quel que soit le niveau, si c'est 3 grammes, 4 grammes, même des cas de coma diabétique, d'autres viennent avec 7 grammes de glycémie. Mmh. Ils se piquent 4 fois par jour. Ils prennent plus de 12 comprimés là, par vous jour de diabète. En même temps, diabète avec tension. La médecine parce traditionnelle guérit le diabète. Guérit le diabète et oui. L'hypertension artérielle. Sans insuline. Sans insuline. Avec les plantes, des médicaments naturels que nous fabriquons, qui ont fait leur preuve d'efficacité. Des diabétologues ont essayé sur 64 malades. Mm-hmm. Sur les 64 malades, en 28 jours, tous sont guéris. On a guéri 96 personnes. Maintenant, les 4 autres qui n'ont pas, c'est-à-dire 96% ont mm-hmm. été guéris. Maintenant, les 6 autres qui n'ont pas été satisfaits n'ont pas pu prendre les médicaments comme il se doit à cause du goût amer. Alors que tout ce que nous mangeons est plus ou moins amer. Donc, pour pouvoir donc mieux nous guérir, les médicaments sont amers. Sont plus ou moins amers. Oui. Mais il y en a qui sont intéressants comme les Fanta et autres pour soigner certaines maladies, sauf à part le diabète. Alors, il y a beaucoup d'observateurs du monde de la santé qui ont parlé d'un problème spécifique au niveau des tradis praticiens. Il s'agit du dosage. Le dosage ne cause pas un problème. Je ne te laisse même pas terminer. Le dosage ne cause pas un problème à la médecine traditionnelle. Comment vous quand dosez vos médicaments? Quand on dit une cuillère à soupe, c'est une dose. Une cuillère à café, c'est une dose. Un verre, c'est une dose. Un demi-verre, tout ça là, c'est les doses qui ont été préétablies depuis le temps de nos aïeux. Oui. Donc, même si on te dit de prendre soit un verre, que tu as pris 4 verres, 5 verres, soit tu vomis, ou bien tu as diarrhée et puis ça passe. C'est comme ça les médicaments traditionnels. Et en faisant les recherches sur mes médicaments, et puis en faisant le brevet d'invention, ils ont confirmé que la dose que j'ai prescrite sur mes médicaments est vraiment adéquate et idéale et très bon. Ça et comment vous vient cette inspiration de prescription de dose? Est-ce que c'est en dormant, vous vous réveillez et vous vous rendez compte qu'il faut donner une cuillerée ou il faut donner un demi-verre? Comment ça se passe? Non, Dieu m'inspire par en dormant ou bien même sans dormir, l'inspiration vient. Mais souvent, c'est la pratique. Oui. Quand je vous produis, moi-même, je consomme. Et puis, je donne des échantillons à certaines personnes. Vous consommez vos propres produits? Je consomme. Si je ne consomme pas, je ne peux pas savoir ce que c'est. Oui. Je consomme pour confirmer qu'à telle dose, ça donne diarrhée, à telle dose, ça ne dérange pas. Et c'est ce que les parents avaient fait. Mais pour le confirmer, quand moi-même, je fabrique pour moi, je consomme d'abord avant de vendre aux autres. Mais même les cas de diabète et autres, tout ça là, souvent, je consomme certains aliments qui vont augmenter ma glycémie. Et après, je fabrique les médicaments pour boire pendant quelques jours, pour faire baisser ma glycémie, pour être guéri. À travers ça, maintenant, j'encourage les autres à essayer. Parce que, bien sûr, les grands-parents avaient utilisé, avaient fait. Oui. Mais moi-même, je veux l'expérience par ma personne. Avant de conseiller à certains malades. C'est pour cela que je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de vendre mes médicaments et au commissaire, et au juriste, et au corps habillé, à tout le monde. Quand je prenais mes produits pour vendre, je rentre dans un commissariat, je cherche à voir le commissaire lui-même pour lui vendre mes produits, pour lui prouver que je suis capable de fabriquer des bonnes choses, que je n'ai pas peur de vendre à qui que ce soit parce que j'ai confiance à ce que je fais. Parlons à présent des consultations. Quand on arrive à l'hôpital, on sait un peu comment ça se passe. Ça. Vous arrivez, vous rencontrez un médecin, il y a toute une procédure. Et vous, au niveau de la médecine traditionnelle, comment se passent les consultations? D'abord, est-ce que vous avez un laboratoire, vous avez un hôpital spécifique, vous avez un bureau? Comment ça se passe? Comment vous recevez les gens? Est-ce qu'il y a des fiches qui sont remplies? Est-ce qu'il y a des dossiers médicaux qui suivent? On ne comprend pas. Tout cela, vous savez... Dieu m'a permis non seulement d'avoir une unité de production, un bureau adéquat et une pharmacie, c'est-à-dire un centre de production de tous mes médicaments et sur au moins presque sur une superficie que je n'ai pas pu retenir. Il faut préciser que vos médicaments sont brevetés. Mes médicaments ont un brevet d'invention et un certificat de qualité et un prix d'excellence. Tous ces diplômes sont à ma disposition. Je pourrais vous les faire présenter quand vous allez visiter
notre unité de production que le ministère lui-même a agréé, a accepté. Pour que dans peu de temps, ils vont m'accorder la mise sur le marché, oui, le papier qui va me permettre de vendre mes produits en pharmacie. Et dans peu de temps, parce que je respecte les normes pharmaceutiques demandées par le ministère de la Santé. Là où il faut produire, là où il faut fermenter, là où il faut faire les étiquetages, le bureau de consultation et tout ça. Et tout à l'heure, c'est documenté. Quand un malade arrive, on le fait, avant les appareils, il venait directement me voir. Je lui pose quelques questions et on diagnostique la source du mal. Ouais. On lui conseille les produits appropriés. Il va voir la secrétaire pour aller à la pharmacie. On lui sait les produits, on enregistre tout son nom. Oui. Tout ses, on lui fait un dossier pour le suivre. Ah, il y a un dossier médical. Il y a un dossier médical qui est suivi. Après un mois, deux mois, il revient. On fait le diagnostic et puis on confirme qu'il est guéri. Après cela, maintenant, on note dans son dossier qu'il est guéri. Et puis, il s'en va la tête haute. Lui-même, dans son corps, il vient nous dire que vraiment, je me sens en l'air, je sais que je suis guéri. C'est ça qui est la vérité. Alors, docteur, on avance dans l'entretien et nous sommes pratiquement à la fin. Alors, une question qui revient couramment. La médecine traditionnelle et la médecine moderne ont le même objectif. C'est ça. Comment se passe la cohabitation actuellement en Côte d'Ivoire entre les deux médecines? Vous savez, les deux médecines doivent s'entendre, s'entraider. Donc les deux médecines ne s'entendent pas pour l'instant. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, on peut dire que les deux médecines ne sont pas encore entendues pour collaborer comme il se doit. Le ministère nous a dit de nous entendre pour collaborer, mais on ne sait pas par où il faut commencer. Mais certains médecins ont compris, mais d'autres n'ont pas encore bien compris. D'autres nous envoient des malades. Nous aussi, on leur envoie des malades quand ça dépasse à notre niveau. C'est que quelqu'un qui est anémié, sévère, oui, pour le remonter rapidement, on l'envoie chez les médecins, dans les cliniques, pour le remonter. Là, il faut du sang. Il faut du sang rapidement. Sinon, on peut lui donner du sang, mais pour nous, ça retarde. Ce n'est pas rapide. Alors qu'il faut, dans les 24 heures, il faut sauver la personne. Maintenant, des cas où la personne n'a plus la force de boire les médicaments, d'utiliser les médicaments, bien de manger même, tout ça là, on les envoie dans les hôpitaux pour qu'on les réanime, pour avoir un peu plus de force, plus de santé, pour pouvoir venir à nous, pour qu'on puisse les suivre. Donc, les deux médecines... Oui. doivent mettre la main dans la main pour sauver les malades. Ce n'est pas auprès d'une mère malade qu'on doit se battre. La médecine moderne, la médecine traditionnelle font le même travail, mais chacun a sa place. Et pourtant, vous avez côte à côte pendant la COVID. Oui, pendant la COVID, on s'est mis ensemble. Oui. Le résultat qu'ils ont trouvé, si je vous dis, vous n'allez pas croire. Tous les produits qu'ils ont trouvés, ils ont sélectionné trois produits. Tous ces trois produits-là, après, ils ont cherché un seul. C'est pour moi là qu'ils ont choisi. Mais comme je ne suis pas scientifique, et puis je n'ai pas la force pour aller débattre, ils ont laissé tomber, n'ont pas voulu prendre pour qu'on puisse sauver les malades. Mais de bouche à oreille, les gens sont venus s'approvisionner. Des professeurs qui ont failli mourir, tout le monde sont morts auprès d'eux. Quelqu'un leur a parlé de moi, ils sont venus, ils ont utilisé les produits, ils ont vu la valeur. Donc, mais dans ce domaine-là, on laisse ça de côté parce qu'ils nous ont confirmé que faut pas on va s'intéresser au COVID. C'est pour cela qu'ils ont laissé tomber nos médicaments. D'accord. OK, là c'est un autre débat. Dernière question, docteur, avant de se quitter, la médecine traditionnelle, qu'est-ce qu'elle représente pour les Africains? Qu'est-ce qu'elle représente pour les Ivoiriens? La médecine traditionnelle représente notre identité. C'est tout pour l'Africain, mais nos autorités n'ont pas encore bien compris. Et nous-mêmes, on n'a pas encore bien compris pour occuper notre place. Si la Chine actuellement a triomphé le monde entier, c'est en partant de sa propre médecine. Ils sont dans les campements, dans les villages, partout, dans tout le monde entier. C'est à travers là qu'ils se sont enrichis. La Côte d'Ivoire, nous avons décidé que la Côte d'Ivoire doit émerger par sa propre médecine. Merci docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation.
une médecine traditionnelle plus forte pour un système de santé plus fort. C'est sur cette phrase que nous mettons un terme à cette émission. Bonne suite des programmes sur cette info.